Robert F. Kennedy cares more about human beings and health and the environment than anybody. I'm going to let him go wild on health. I'm going to let him go wild on the food. I'm going to let him go wild on medicines. When my uncle was president, about 3.4% of kids had chronic disease, and we spent zero on chronic disease. Today, 60% of our kids do. And we're spending $4.3 trillion, and it's bankrupting our country. I have great concerns for someone who has shown complete disregard for public health. Donald Trump avait promis à Robert F. Kennedy Jr. de le nommer à la santé. Ben, c'est le cas. C'est confirmé. Celui qu'on surnomme RFK Jr. a été nommé au poste de secrétaire de la santé et des services sociaux dans la future administration Trump. Nomination qui cause bien sûr une onde de choc. Le neveu du président John F. Kennedy est connu, entre autres, pour ses positions anti-vaccin. En août, il avait renoncé à être candidat indépendant à la présidentielle et avait apporté son soutien à Donald Trump. Pour en parler, je rejoins en direct à Atlanta Julien Cavana, médecin neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes à l'hôpital Emory d'Atlanta. Docteur Cavana, bonsoir. Bonsoir. Quelle est d'abord votre réaction à cette nomination aujourd'hui? C'est une réaction d'effroi parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas la santé publique, qui la combat d'ailleurs et qui colporte des théories du complot, qui ont déjà, par son action, causé un certain nombre de personnes malades, voire des décès, et donc qui se retrouvent à la tête maintenant d'un portefeuille de plusieurs agences de santé, près d'une douzaine, mais trois principales, le CDC, qui est donc sur le même campus que l'Université Emory à Atlanta, qui donne le la sur les recommandations en maladies infectieuses et sur d'autres sujets de santé publique, la FDA, qui donne les recommandations de mise sur le marché pour les médicaments, sur les standards dans l'agroalimentaire, et le NIH, qui est les instituts de santé nationaux, qui est le bras armé du financement de la recherche publique aux États-Unis. Et donc, si l'influence de M. Kennedy se révèle sur ces agences, on va à la catastrophe. Et d'ailleurs, les dirigeants de ces différentes agences relèvent du président Trump. Donc, on imagine que sous la recommandation de M. Kennedy, on pourrait se retrouver avec des personnes avec le même profil, en quelque sorte? Alors, la question qui se pose pour moi ce soir, c'est y a-t-il encore des adultes dans la pièce avec Donald Trump? Et est-ce que cette nomination pourrait, j'en ai un secret espoir, un peu un écran de fumée pour un coup de com', mais qu'en réalité, dans la pratique, ces directeurs d'agences qui sont nommés par le président des États-Unis, comme vous venez de le dire, deux d'entre eux sont confirmés par le Sénat, le directeur de la FDA et le directeur du NIH. Le directeur du CDC est nommé à la discrétion totale du président des États-Unis. Pourrait-il qu'il y ait des gens raisonnables qui viennent suppléer à M. Kennedy qui serait dans une situation de ministère de la parole? Nous le verrons, mais la réalité est que le secrétaire à la santé a pouvoir sur ses agences et notamment le pouvoir de défaire des recommandations qu'elle pourrait fournir. Donc on voit dans quelle situation de précarité pour la science on se retrouve ce soir. Est-ce que vous vous attendez à ce que le Sénat, qui est à majorité républicaine, confirme sa nomination à M. Kennedy? Écoutez, on a peut-être aussi un petit espoir de ce côté-là, qu'il y ait des sénateurs qui soient d'État quand même, où on croit encore à la santé publique, mais il y a énormément de pression sur ces hommes et ces femmes politiques qui vont sans doute l'interroger, mais vont-ils aller jusqu'à refuser sa nomination et puis garder en tête que très probablement il va y avoir 53 à 54 sénateurs républicains, ça leur laisse une petite marge pour ces nominations. Je crois qu'il va y avoir des interrogations, mais je pense que malheureusement M. Kennedy sera confirmé dans son rôle de secrétaire à la santé. M. Kennedy a propagé, vous l'avez dit, beaucoup de théories là, du complot sur les vaccins contre la COVID-19. Il réclame aussi l'arrêt de l'ajout de fluor dans l'eau courante. Vous qui travaillez dans le milieu hospitalier, à quelles conséquences est-ce qu'on peut s'attendre?
L'ajout de fluor dans l'eau courante dans tous les pays développés a montré qu'elle réduisait le nombre de caries dentaires, hein, d'à peu près 20%. Donc si on retire le fluor de l'eau courante dans un pays, on peut s'attendre mécaniquement lorsqu'il y ait une baisse de la qualité de la santé bucco-dentaire, en particulier des enfants, et donc avec une augmentation du nombre de caries, d'infections dentaires, etc. Ça, c'est très clair. Il y a évidemment aucune science qui vient démontrer qu'il y aurait une quelconque effet négatif de ce fluor dans l'eau. Et évidemment, ce que dit M. Kennedy sur les maladies chroniques, inflammatoires et rendre les enfants transsexuels, ça n'a aucune réalité scientifique. Donc, c'est véritablement faire une erreur de santé publique de retirer le fluor de l'eau courante et Ouais. ça se paiera en santé bucco-dentaire. Et sur les vaccins, est-ce qu'ils pourraient changer les recommandations vaccinales en cours? Alors, techniquement, oui. S'il veut passer au-dessus du directeur du CDC, qui donc donne les recommandations vaccinales, la FDA donne les autorisations de mise sur le marché, et puis ensuite le CDC donne la recommandation va vaccinale. Alors, si la FDA continue d'autoriser les vaccins, bon, on ose espérer quand même que les vaccins classiques ne verraient pas leur autorisation de mise sur le marché retirée, mais en revanche, on pourrait très bien imaginer que le CDC vienne changer les recommandations vaccinales, qui sont utilisées évidemment par les agences de santé publique locales au niveau des États, mais aussi par les assureurs pour décider quels vaccins sont remboursés et lesquels ne le sont pas. Hein. Donc, effectivement, ils pourraient changer ces recommandations et probablement une des conséquences immédiates, sauf si les assurances décident d'aller avec leurs propres recommandations, mais vous voyez, ce serait une dissolution quelque part du pouvoir fédéral de la santé publique sur ces recommandations. On pourrait imaginer qu'un certain nombre d'Américains se retrouvent avec des difficultés d'accès ou avec des difficultés de financement de ces vaccins en particulier. Est-ce que vous voyez quelque part des garde-fous qui vont continuer d'exister pour protéger les agences de santé et pour protéger les Américains? Alors, ce soir, c'est un peu quasiment avec un peu de cynisme dans le cœur que je vous dis ça, mais il y a un espoir du côté de l'industrie pharmaceutique qui va sans doute voir que de décrédibiliser ces agences de santé, que de potentiellement changer les recommandations en santé sur les traitements qui fonctionnent, vont peut-être quand même se rapprocher de la Maison-Blanche, du président élu Trump, de sa future directrice du cabinet Susie Wiles, qui est très familière d'un certain nombre de secteurs industriels. Est-ce que, quelque part, ces acteurs de l'industrie pharmaceutique ne seront pas ceux qui vont venir soutenir quelque part leurs propres régulateurs de façon à ce qu'on ne perde pas de terrain, parce que quelque part, ce sont aussi leurs intérêts qui seraient touchés si ces agences sont décrédibilisées ou donnent des recommandations fantaisistes. Et en terminant, est-ce que vous craignez pour la crédibilité générale du discours scientifique aux États-Unis? Oui, absolument. On est déjà dans une ère depuis la COVID où beaucoup de théories du complot se sont propagées, où la parole en santé publique est sans arrêt remise en jeu, où des théories du complot sont mises sur le même plan. Et donc, on est déjà dans une ère très difficile du côté de la santé publique et de la science. Mais jusqu'à maintenant, ces agences, qui sont quand même des fleurons scientifiques, ont donné le la et un la international. Et donc, c'est aussi une perte d'influence pour la science américaine que d'avoir ces agences qui seraient minées de l'intérieur. Absolument. Docteur Julien Cavanagh à Atlanta, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre invitation. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.